Le chien est le plus ancien compagnon du chasseur. Une histoire d'amour vieille de plus de 15 000 ans. Le chien d'arrêt est défini par des aptitudes spécifiques et un comportement de chasse bien particulier. En effet, c'est un chien qui quête en silence, en aspirant l'air, la tête levée, prenant les émanations du gibier et qui, lorsqu'il le rencontre, s'arrête immobile, dans une position qui, avec des frémissements de queue si particuliers, sont un vrai langage pour le chasseur, lui indiquant non seulement l'endroit où le gibier est blotti, mais aussi l'espèce à laquelle il appartient. L'utilisation du chien d'arrêt est essentiellement destinée à la chasse des gibiers à plumes. Bécasse, bécassine, caille, perdrix, faisan, et peut se pratiquer sur tous les milieux. Bois, plaine, bocage et marais. On distingue deux grandes races de chiens d'arrêt. Il y a ceux que l'on nomme britanniques, qui regroupent le pointer et les différentes races de setter, le gordon, l'anglais et l'irlandais. Et les chiens dits continentaux, où l'on retrouve toutes les espèces de braque et d'épagneul, ainsi que le drattard et le cortal. Les chiens d'arrêt britanniques sont les plus rapides et sont ceux qui ont la plus grande étendue de quête. Ces chiens sont des spécialistes de la plaine, des grandes étendues dégagées. Les chiens d'arrêt continentaux regroupent quant à eux le plus grand nombre de races d'arrêt. Les chiens de cette catégorie sont très diversifiés par leur poil, leur taille et leur polyvalence. Les races allemandes et des pays germaniques sont dites très polyvalentes, c'est-à-dire capables de chasser tous les gibiers sur tous les terrains et même le grand gibier dans les pays où cela est permis. Allez, Valdor, Val. Allez, Valdor. Parti. Bécasse ! L'expansion de la chasse à tir vers la fin du 19e siècle coïncide avec la fixation de la plupart des races actuelles de chiens d'arrêt. Ces dernières ne sont pas, dans la plupart des cas, des créations pures. En effet, les éleveurs ont souvent repris, en les améliorant, de vieilles souches régionales qui existaient déjà et fixé un standard officiel. C'est vers cette même époque qu'ont été mises en place en France les premiers field trials destinés à sélectionner les meilleurs reproducteurs sur la base de leur aptitude au travail. Pour faire de son compagnon une élite, un bon dressage est recommandé. Car un bon dressage comporte différents aspects qui consistent à exalter et maîtriser les qualités naturelles du chien, sa passion pour la chasse, tout en établissant une véritable complicité homme-chien. Et les petits rouscailleurs, là, hein ? C'est bien les petits-petits, voilà les coquins. Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Oh, vous êtes malheureux, hein ? Oh bah oui. Toi aussi, t'es malheureuse ? On devient dresseur parce qu'on a envie qu'il y ait une certaine communion avec le chien et qu'on a envie que les qualités naturelles de base du chien servent à l'homme. Le dressage a pour conséquence de faire vivre et de faire partager donc sa vie de chasseur et ses passions avec le chien. L'élevage a été créé dans les années 55. Mon père a choisi de nommer l'élevage de Kerenloing. Ker, ça veut dire village, et Loing, c'est renard, le village du renard. Anafix, c'est un nom de famille. Tous les chiens qui, dans le monde qui s'appellent Kerenloing sont nés chez moi. Mon père est la personne qui, parrainée par la centrale canine et surtout par le président du club l'épagne breton, a amélioré la race de l'épagne breton. L'épagneul breton est l'une des premières races de chiens d'arrêt français.
Cette race est descendante des chiens d'Oisel. L'Espagnol breton est né d'un croisement entre les chiens de ferme de Bretagne et les setter, pointer ou springer au XIXe siècle. Le premier standard du club de l'Espagnol breton date du 7 juin 1907. L'Espagnol breton, c'est un chien très polyvalent, très communicatif, courageux, qui ferait n'importe quoi pour son maître. Mais il avait remarqué que l'Espagnol breton, il lui manquait deux choses. D'une part, un peu de puissance de nez à l'époque, et c'était des chiens ce sont toujours des chiens orgueilleux et peut-être un petit peu jaloux. Il manquait l'instinct d'arrêt. Il a demandé, parrainé par le club des Pins Bretons, d'apporter du sang de setter pour augmenter la puissance de nez. Et il est arrivé d'une façon magistrale à améliorer donc la puissance du nez des épingles bretons et donner un petit peu d'instinct d'arrêt sur ces sujets. Et le premier prototype en Europe a été Tintin de Carolan. C'est le premier chien connu officiellement qui a transmis donc ces gènes-là de puissance de nez et d'instinct d'arrêt chez les épingles bretons. Et maintenant, tous les chiens qui gagnent actuellement ou 80 à 85% des chiens qui gagnent dans le monde entier dans les concours de travail ont du sang de Tintin. Je démarre les petits chiots en initiation de base pour développer leur qualité naturelle de base qui est transmise par leurs parents qui stagnerait automatiquement si on ne les développait pas. Ça consiste à leur faire découvrir la nature et pour arriver à le faire et pour arriver à connecter les petits chiots, je sépare les petits chiots à l'âge de 6 semaines, je fais dormir la mère au chenil, je fais téter les chiots deux fois par jour pendant 8 jours et une fois par jour la semaine qui suit, ça fait qu'au bout de 8 semaines, ils sont totalement sevrés. L'apprenti qui a fait téter les chiots transporte toute la portée entière dans un petit chemin empierré. Les petits chiots qui sont en contact avec les cailloux, qui ne connaissent pas les cailloux parce qu'ils ont été élevés dans des maternités qui sont enherbées, eh bien, ils sont un petit peu dépersonnalisés et ça dure 30-40 secondes et pratiquement tous en même temps, ils lèvent les bras au ciel et qu'est-ce qu'ils voient ? Leur deuxième moment et ils sont attirés par l'apprenti qui se déplace, qui a quand même les a envoyés à téter deux fois par jour. Il leur fait faire 40-50 mètres le premier jour, 100 mètres, 150 mètres le deuxième jour, 250 mètres le troisième jour. Et le chemin donc aboutit à une clairière. Et le but, c'est de leur faire arriver jusqu'à cette clairière bon, entre 3 et 4 jours, 3 ou 4 fois, 3 ou 4 sorties. Et ça a pour conséquence de leur développer leur qualité naturelle de base qui est transmise par les parents. Et la qualité naturelle de base la plus importante, dont je me sers pour tout le débourrage et le dressage pendant toute la vie du chien, c'est l'instinct de course à la poursuite. Chut. Imaginez que vous ayez deux épagneuls bretons dans un champ qui fait une dizaine d'hectares et il se trouve à 100 mètres de vous et il est à l'arrêt devant un épagneul breton qui se trouve à 100 mètres de lui. À un moment donné, les deux chiens, on ne sait pas pourquoi, ils vont se rapprocher 40 mètres l'un vers l'autre, ils vont se stopper au même moment. À un moment donné, le chien de gauche va boucher la tête, il va faire peur à celui de droite. Automatiquement, celui de droite va partir, celui de gauche va toujours courir après celui de droite. Si c'est le contraire, si c'est celui de droite qui bouge la tête, qui fait peur à celui de gauche, celui de droite court après celui de gauche. C'est ça l'instinct de course à la poursuite, c'est le mouvement. Et là, je me sers de ce mouvement-là pour motiver le chien pour tout. C'est ça le plus important. C'est l'élément moteur du dressage, entre guillemets, du conditionnement donc à l'obéissance dans l'élevage de carrelement. Petit bébé. Je vais vous prouver que la qualité naturelle de base la plus importante, c'est l'instinct de course à la poursuite et que les petits chiens sont plutôt attirés par leur passion plutôt que la raison de rester auprès de moi. Alors les petits chiens sont connectés par le mouvement et je voulais montrer que la qualité naturelle de base la plus importante, c'est le mouvement.
Alors, les petits chiens, moi je suis un aimant et les petits chiens, c'est un bout de fer. Donc pour connecter les chiens, il faut se rapprocher du chien et puis repartir. Tout simplement comme un aimant sur un bout de ferraille. À condition que les petits chiens, ils ont ces qualités ressorties à fleur de peau. Charlène, tu viens? Tu pars. Alors c'est très 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 net, hein. Alors imaginez que vous soyez un chien que je vous rappelle, et je vous rappelle en vous faisant face le petit. Vous êtes un chien, vous allez venir, je peux vous mettre en laisse et vous enfermer. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence d'un chien. Et au bout d'un moment, quand il va vous voir vous lui faire face, eh bien il va hésiter à se faire prendre. Par contre, si vous faites tiens, viens petit chien, et vous partez, et naturellement le petit chien viendra vers vous pour aller vous promener dans cette direction-là, pour changer de biotope. Ce sera une chose très très importante à faire, à exercer pour lui. Donc le rappel puissance 10, c'est viens petit chien en partant. Voilà. Quand le chien a été initié de la sorte, eh bien ils sont conditionnés à le faire avec n'importe qui. Progressivement, on leur fait découvrir donc des différences de biotope. On les motive donc au mordant, au rapport, parce que pour que les chiens chassent, il faut qu'ils soient attirés par quelque chose. Et en l'occurrence, d'abord, on commence par leur faire se déchaîner sur des peluches ou autres, et puis après, on leur met des gibiers entravés, hein, et qu'ils poursuivent. Ça leur éveille donc leur nez, leur faculté olfactive. Mais si on ne fait pas ça, si on les présente de but en blanc à 3 mois devant un gibier, ils ne s'intéressent pas. Donc c'est une marge de progression. Parce que si on va trop vite, à ce moment-là, on peut retomber à zéro. Et disons qu'actuellement, ces petits chiens qui ont entre 8 et 9 semaines, déjà commencent à développer leur faculté olfactive et commencent déjà à avoir un très bon mordant. Ah si, chut. Le commandement le plus important dont je me sers pratiquement pendant toute la vie aussi, sur le chien, le commandement qui va multiplier votre emprise d'obéissance par 2, 5 ou 10 sur le chien, c'est le commandement de frein. Chut, assis. Imaginez que vous soyez à bicyclette dans une descente. Et en bas de cette descente-là, vous avez un stop. Qu'est-ce que vous faites avant d'arriver au stop? Vous freinez. En l'occurrence, avec le frein arrière. Si vous freinez avec le frein avant, eh bien, soit vous cassez la figure, soit le câble de la bicyclette casse. Généralement, quand je montre un chien dressé à une personne, la première des choses qu'il fait quand le chien est en laisse, il lui dit « assis ». Alors, à ce moment-là, « assis », c'est le frein avant. Ça a pour conséquence de brimer les chiens. C'est beaucoup plus dur comme commandement que faire « chut, assis ». Voilà ma façon de faire, quoi. Petite bébé. Garrigue de Kerenloin. Je tire un coup de pétard. Généralement, je lance la portable au moins donc, à 7 ou 8 reprises, en 5-6 séances à l'appui, avant de tirer le premier coup de pétard. Et je surveille le petit chou. J'essaie de voir à quel degré de motivation il est. Il faut qu'il soit comme un cheval emballé sur la portable qui veut croquer avant de tirer la portable. Il y a la peur du coup de fusil, c'est une maladresse de l'homme à 100%. Il y a des chiens qui sont prédisposés à avoir peur du coup de fusil et d'autres qui ne le sont pas. Les chiens qui sont prédisposés à avoir peur du coup de fusil, ce sont des chiens qui sont caractériels et timides. Les chiens qui ne le sont pas, ce sont des chiens francs et vraiment d'aplomb. Mais le chien franc est vraiment d'aplomb, il a ses limites, il peut attraper peur du coup de fusil. Et moi, j'ai donné peur du coup de fusil à certaines chiennes qui étaient timides et caractérielles. Je suis certain que si j'avais fait 7 ou 8 ou 9 ou 10 leçons de motivation sur le gibier supplémentaire, elle n'aurait jamais eu peur. Donc le risque, le problème, c'est une question de dosage et d'appréciation. Je ne peux pas dire si on peut tirer un coup de fusil à un chiot de 2 mois quand je ne connais pas donc son initiation de base, quand je n'ai pas étudié son comportement. La petite Garrigue. Garrigue s'est rendu compte de quelque chose. Ça y est, elle a senti d'abord, je crois qu'elle l'a vu. Paf, elle marque un petit arrêt. Ça y est, elle arrête à vue. C'est bien la petite Garrigue. Mais d'abord, elle a senti le pigeon à 5 mètres. Et là, elle l'arrête. Mais ce n'est pas l'élément le plus important pour le moment.
Alors, l'élément le plus important, c'est que c'est le coup de nez. Elle a donné un très très bon coup de nez à 4-5 mètres. C'est quelque chose de remarquable pour une petite chienne de cet âge-là. En plus, après, elle a vu l'oiseau. Donc, elle a fait un arrêt, pas un arrêt cataleptique, mais un arrêt interrogateur. Donc, je sais que c'est une chienne qui arrêtera parfaitement bien. De toute façon, je n'en doutais pas par rapport au fait qu'elle est quand même le fils de Elliot de Guéranloin, qui est le meilleur chien actuel de mon chenil. Il est important de quand même, d'une part, donc le créancier essaie de faire en sorte que le chien court après le gibier et le mord entre 2 et 3 mois. Et après, entre 4 et 8 mois, il faut absolument qu'il court après le gibier sans le rattraper pour qu'un jour, l'instinct d'arrêt se déclare naturellement. Au début de ma carrière, ce que je faisais, j'essayais de les faire arrêter au cordeau sur du gibier entravé, des très très jeunes chiens, c'était spectaculaire, mais après, ils étaient dénaturés à jamais. Donc l'important, c'est de ne pas mettre encore une fois la chevrette avant les bœufs, c'est de ne pas se polariser sur une discipline, essayer de lui faire exercer donc, la recherche du gibier dans la végétation, le rapport, l'habitude au coup de feu, le coup de nez, il faut essayer de lui faire toutes les disciplines qu'un petit renard pourrait essayer de commencer à faire dans la nature pour devenir un bon chasseur. Et non pas essayer de faire une chose parce qu'il est fils de champion. Et le fils de champion, il peut être complètement à côté de la plaque, adulte, si vraiment on le spécialise sur une discipline vraiment frappante. Alors, oh. Chut. Vas-y, Titi. Voilà, allez, couchez. Alors la socialisation pour moi c'est, je dirais, la période capitale d'élevage d'un chien. Le petit chiot entre l'âge de 4 et 15 semaines doit voir le maximum de choses. Il doit voir des gens, on les amène promener dans la nature, il voit les oiseaux, il voit la flotte, il voit les ronces, il voit plein de choses. Plus le coup de fusil. Une socialisation loupée, il faut vous dire que le chien, après, ça va être très très compliqué de lui apporter un dressage. Pourquoi ? Parce que vous récupérez un chien craintif, d'autres dresseurs vous le diront également. On va déjà avoir 15 jours pour arriver à se le mettre un petit peu en main. Puis après, vous savez, le dressage, c'est quand même une soumission. Le dressage, il faut que ça reste quand même un jeu. Alors, le chien qui a déjà la queue entre les pattes, il faut vous dire que c'est très compliqué. Donc quand vous avez réussi déjà une socialisation, vous avez beaucoup de chances d'avoir un chien qui fasse une belle carrière. Tiens, voilà, viens. J'ai eu mon premier setter anglais inscrit l'off en 1983. Et puis j'ai commencé à me passionner un petit peu à travers des revues de chasse, des concours de chiens d'arrêt évidemment, notamment des concours de printemps et plus particulièrement sur la bécasse, qui était le gibier de prédilection qu'on avait par ici. À toi ! J'aimais beaucoup la génétique. Mes parents avaient également un troupeau de vaches laitières et ma mère était passionnée de génétique. Donc j'ai retranscrit ça un petit peu sur l'élevage de chiens, en allant chercher des géniteurs à l'extérieur. Et j'avais donc déjà des bonnes origines de ce que j'appellerais souche bécassière bretonne. Quoiqu'elles ont bretonne que le nom, parce que tout le c'était anglais, la plupart viennent d'Italie. Et j'ai fait des apports de sang extérieur pour améliorer plusieurs points qui me semblaient qui manquaient un petit peu de qualité. Voilà. Allez, allez. J'étais moyennement satisfait de ce que j'ai fait. Et puis à partir d'un moment, je me suis dit, il vaut mieux que tu achètes des chiots de grandes origines. Bien. Ce que j'ai fait, je les ai pris donc à l'âge de 2 mois. Je les ai élevés comme les miens. Je les ai fait chasser. Et au bout d'une saison ou 2 saisons de chasse, quand j'avais vraiment bien analysé mon chien, s'il avait des qualités supérieures à ce que j'avais moi, j'ai utilisé pour la production. Ce qui veut dire que j'utilise pour reproducteur que des chiens qui sont passés au banc d'essai chez moi, c'est-à-dire que j'ai vu vraiment leur qualité de chasse. Je veux des chiens qui aient de la passion, qui aient de l'équilibre. Et puis depuis maintenant une quinzaine d'années, je travaille un petit peu en ce qu'on appelle en line breeding, c'est-à-dire que je fais toujours des croisements avec des chiens de même lignée.
Ce qui fait qu'on finit par obtenir des chiens qui ont un phénotype à peu près, qui se ressemblent énormément. Et puis dans les caractères, on fixe des qualités. Allez, viens, hop. Moi, je veux produire pour des chiens facilement utilisables pour le chasseur lambda. C'est-à-dire que je mets d'abord en priorité la passion. Et dans la passion, bah, je sous-entends la recherche du gibier, l'avidité, la ténacité également, c'est important. Et des chiens qui puissent s'adapter à différents biotopes, à savoir nous en Bretagne, de la ronce, des terrains humides, et il faudrait que ces mêmes chiens puissent aller chasser en montagne. Donc c'est un petit peu cette polyvalence-là que je recherche. Et puis je dirais après, deuxième point, l'équilibre. Alors dans l'équilibre, faut arriver à produire des chiens qui soient pas peureux, enfin peureux, craintifs, heureux, qui soient capables de recevoir un dressage. Ça prouve qu'un chien qui peut recevoir un dressage, il a la tête bien faite. Qui est de l'arrêt naturel, du patron. Allez. Donc voilà un chien qui est confirmé, parce qu'il est déjà très à l'heure sur Bécasse. Et donc je vais vous montrer, ou essayer de vous montrer, ce qu'il est capable de faire en sous-bois. En situation un petit peu similaire à ce qu'on trouve à la Bécasse, avec un même biotope, mais évidemment c'est pas la même époque. Alors la quête du setter, au moins ce qui concerne la chasse à la Bécasse, moi ce que je recherche c'est des quêtes étendues, mais tout en restant raisonnable, pour des chiens qui chassent à 150 mètres maximum et qui reviennent au contact toutes les deux minutes, ce que j'appelle garder un chien en cloche, si on veut. Voilà, vous l'avez toujours à l'oreille. Il arrête, la cloche s'arrête, vous savez, vous le situez dans les 3-4 minutes qui suivent. Allez. Donc vous voyez, là, il a pris l'émanation. Bon, c'est pas un arrêt vraiment en style setter, parce que bon, c'est du pigeon, et il connaît cet oiseau-là. C'est pas vraiment un oiseau de chasse, mais enfin bon. On essaye de s'en approcher, donc vous voyez là il est bien bloqué. Bon, il est environ, on est combien à 20-25 mètres de l'oiseau. Donc si on se trouve en action de chasse, donc je fais placer le copain sur la droite ou sur la gauche. Et puis après, quand j'étais prêt, voilà, je fais couler mon chien, il coule. Voilà, cool. Voilà, il coule pour s'approcher de l'oiseau. Voilà. Et là, il l'a bien bloqué. Donc le jeu va consister à le faire voler. Et là, on doit pouvoir attendre le temps qu'on veut. Donc je vais faire voler, il doit rester sage à l'envol. Voilà. Chut. Et je tire. Voilà, vous voyez, le chien est resté parfaitement sage. Voilà ce qu'on doit arriver. Chut, non ! Voilà ce qu'on doit arriver à pouvoir faire, un chien qui a 2 ans et demi de temps. Chut. 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Il a 3 ans, lui, exactement. Là, sans dos. Chut. Voilà, c'est bien, moi, c'est bien. Chut, 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 chut. La recherche du gibier ou quête consiste en une série de lacets pratiqués par le chien de chaque côté du chasseur lorsque celui-ci marche face au vent. Les lacets se font selon l'allure inhérente à la race du chien. La plupart des races quêtent au galop, d'autres en galopant et en trottant, et enfin d'autres seulement en trottant. Mais tous doivent quêter face au vent pour bien sentir la moindre émanation venant directement du corps d'un gibier caché au sol. L'odeur du gibier qui se trouve transporté par le vent forme alors un cône d'émanation dont la pointe se trouve sur le gibier. Et plus l'odeur s'éloigne du gibier, plus le cône d'émanation est large. Le chien, en quêtant, doit alors percevoir l'odeur et doit être capable d'avoir une idée d'où se trouve le gibier, selon la largeur du cône et l'intensité de l'émanation. Dès qu'un chien détecte une émanation, il abandonne subitement sa quête pour passer à ce que l'on appelle la remontée d'émanation. Le chien fait alors de rapides zigzags aux limites du cône d'odeur. Puis, il se rapproche suffisamment du gibier, juste assez pour lui faire peur afin que le gibier se fige, mais assez loin pour qu'il ne s'envole pas. À ce moment,
le chien tombe à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il arrête le gibier et qu'il le bloque au sol. C'est plus que la simple détection d'un gibier. En effet, l'arrêt est une véritable interaction entre le chien et le gibier. Allez! Alors, le chien, il voit que c'est des circonstances un peu spéciales. Je traîne, il m'interroge et ce courant-là, et c'est un élément fondamental pour continuer à le faire progresser. Et il va progresser avec moi. C'est un chien très intelligent, vif et qui... Que j'ai freiné parce que voilà, c'est anormal que je n'aille pas le servir. Donc je me suis énervé du commandement le principal, le plus important, c'est le commandement de frein. Je ne lui ai pas imposé ma volonté, je lui ai demandé de m'attendre. Et là, c'était très net, quoi. Il reste pétillant, il reste harmonieux que si autrement je lui avais dit « down » ou « attends », eh bien il se serait écrasé comme un chien soumis. Là, alors la communion, là, c'est super. Là. Tu viens, Patrick, qui me dit, c'est fabuleux. Et l'élégance, le type breton, le cob, le port de tête, son nez qui analyse la puissance de l'émanation, qui capte par rapport à la distance du gibier. Et d'un autre côté, il m'écoute parler. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, il y a eu, sur un diamètre de 2 ou 3 mètres, de l'émanation qui s'échappe de l'homme. Donc, pour le faire couler le chien, il suffit non pas de dire « cool » ou bien d'avancer sur le côté, il suffit de mettre l'émanation de l'homme sur le nez du chien. Je gêne le chien sans rien dire du tout. On peut dire « cool » si vous voulez, si le règlement l'impose. Mais ce n'est pas le fait de dire « cool » ou avance, qui le fait avancer, c'est le fait de lui mettre l'émanation de l'homme sur le nez qui gêne son capage d'émanation du gibier qui se trouve devant lui. Donc c'est un réglage naturel qu'on fait. Si je marche et que je m'écarte, même si je vais le dépasser, j'aurai des grandes facilités à le garder immobile, puisque mon émanation ne va pas arriver sur ses narines. Chut ! Alors je vais faire lâcher un deuxième chien pour essayer de lui faire respecter l'arrêt du premier. Alors bon, comme c'est la première fois que je le fais, c'est pas évident que ça réussisse, et je me sers du commandement le plus puissant, le commandement de frein, pour essayer de ne pas dénaturer les animaux. Chut ! Il faudrait retirer, chut ! Retire-les. Chut ! Regarde-moi. Chut ! Regarde-moi. Allez, allez, allez. Alors, au... je l'aide avec le commandement. Alors le premier chien, en entendant le ralentissement que je demande au deuxième chien, s'est déconnecté de son arrêt. Je lui ai donné un petit câlin, paf, il se reconnecte. Donc ce petit chien qui s'appelle Éclair, je le ferai patronner très rapidement. En fait, c'est un patron un petit peu artificiel, et pour le conditionner à patronner naturellement,
il faut que je fasse voler devant l'arrêt du premier chien un oiseau pour qu'il comprenne pourquoi je lui demande de rester immobile. Chut. Chut. Là, il a compris l'éclair qui est gêné par l'émanation du chien, parce que l'émanation du chien est 50 fois plus forte que l'émanation de l'oiseau. Il décale sur le côté, après avoir patronné, il décale sur le côté pour essayer de capter des émanations qui arrivent à s'écarter à gauche et à droite de Elliot. C'est pour ça qu'il va sur le côté. Chut, attends. Chut. Le défaut de l'épagneul breton, attends. Chut, chut. C'est qu'il veut le vérifier. C'est un chien orgueilleux qui veut vérifier s'il y a un gibier devant. C'est un chien qui réfléchit, qui veut vivre le présent et qui ne ferme pas systématiquement les yeux et le nez lorsqu'il voit un chien à l'arrêt devant lui. Donc il a tendance, son petit défaut c'est ça, il a tendance à avancer pour vérifier et progressivement, en allant sur le côté, en allant sur le côté, il a dépassé le premier chien et paf, il arrête. Parce que c'est plus fort que lui. Donc au démarrage, au début des années 50, c'est vrai que les épagneuls bretons ne patronnaient pas. Là, il a fait quand même un patron sur 2-3 minutes. Et au bout d'un certain temps, l'épagneul breton veut vérifier. Et si on n'a pas le dressage pour aider l'immobilité, eh bien c'est vrai que les deux chiens courent et font partir l'oiseau alors que le maître n'est pas en position. Chut. Je vais faire voler l'oiseau. Chut. Attends. Chut. Encore une fois, donc c'est très dur pour un chien de respecter l'envol. C'est quelque chose d'artificiel. En plus, en voyant un autre qui court devant, je trouve qu'il a le cœur bien accroché, ce petit Elliot, de m'avoir obéi dans des conditions super défavorables, quoi. Vraiment fabuleux. Chut, c'est bien Elliot. Bravo. Félicitations. Bah oui, t'as un grand ego, toi. Je pense que Elliot a une très grande qualité. Il a toutes ses qualités naturelles de base et il va les mettre. Il est meilleur parce qu'il va les mettre à 98, à 100% de ses capacités au service de l'homme. Alors que lui, même s'il est aussi bon que Elliot, si je le mets à 90% de ses capacités, il sera toujours moins bon. Donc, la différence entre les deux chiens, c'est Elliot a une malléabilité au dressage tout en restant vif, éveillé et typique hein, de la race. Et c'est très, très, très rare de tomber sur un chien comme ça. Hop, ça c'est Cash, petit épagneul breton, 4 ans et demi. C'est un chien qui a un fort caractère, qui a été un petit peu compliqué au début, parce que ça débordait beaucoup, c'était très 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 impulsif, très forte tête, un peu comme certains épagneuls bretons. Et là maintenant, ça commence à rentrer dans l'ordre, ça commence à être vraiment intéressant, le travail est compris, il prend de l'expérience, il est très très chasseur. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ce matin. Mais c'est un petit chien très très intéressant, qui a peur de rien en plus, qui est très vaillant. Et bien la voilà. Et là on a Foster, c'est un brac hongrois. Donc ça c'est un jeune mâle qui a que 14 mois, qui est très très bébé dans sa tête, qui a besoin vraiment de découvrir. Donc là pour lui le collier il est pour moi indispensable parce que je vais pouvoir le laisser s'exprimer complètement. Le laisser découvrir vraiment comme il veut, chasser, je ne vais pas l'embêter. On est là vraiment pour qu'il s'amuse. Et par contre, ça me permet de travailler le rappel un petit peu quand il y a besoin de rappel. Et là, en l'occurrence, lui, ça me permet surtout de lui apprendre à ne pas suivre l'autre chien, à être indépendant et à chasser pour lui. Parce que le but du jeu, c'est qu'il chasse. C'est pas juste qu'il suive en courant bêtement les autres. Voilà. Allez, Foster.
Allez, cache, allez. Donc dans les deux cas, de toute façon, le collier est utilisé vraiment dans un but éducatif. Il n'y a pas de but répressif ni de punition systématique avec le collier. Là, on est vraiment dans l'éducatif. C'est un super outil, encore faut-il savoir s'en servir. C'est pas « t'as fait une bêtise, je te punis, je te sanctionne très fort » et au final, quand le chien revient, il n'a pas forcément compris pourquoi il a pris une grosse impulsion. Là, on l'oblige à réfléchir par lui-même, ce qui fait que quand l'ordre est compris, il est acquis de manière beaucoup plus durable qu'une méthode restrictive classique où on va faire mal, tout simplement. Là, le but du jeu, c'est pas de faire mal, c'est de faire comprendre. Oula. Allez, Foster. C'est vraiment un bébé, quoi. Donc c'est l'attrait d'une sortie comme ça, c'est de le mettre justement avec un chien beaucoup plus expérimenté qui va lui montrer des oiseaux, qui va être capable de voir ce que ça vole, et que c'est intéressant d'aller chercher. Et au fur et à mesure, l'instinct va se mettre en place, le chien va commencer à chercher, quoi. Et donc là, on voit l'épagneul breton qui a l'air de trouver quelque chose. Cache. Ouais, le chien santé. Donc là, l'épagneul breton, il prend connaissance là. Après, on est dans le maïs, je ne sais pas s'il est à l'arrêt ou pas. On voit des perdreaux démarrer. Le braque hongrois, bon, il a vu un petit peu voler. Ça va lui monter au cerveau au fur et à mesure. On va aller voir. Apparemment, il y a un faisan qui se balade. Donc on va aller essayer de prendre ça avec l'épagneul. Pas bouger. Pas bouger. Chut. Chut. Là. Là. Chut. Quoi ? Il faut que l'arrêt soit instinctif, ça, il n'y a pas tortillé, un chien qui arrête pas, qui rentre Port, systématiquement cache. Dans les oiseaux, c'est qu'à la base, il y a un problème. Cache ! Cache ! Viens mon bonhomme, viens, c'est bien, viens là. Viens, moi ce que j'aime chez les jeunes chiens, c'est l'envie d'aller explorer. Le jeune chien qui va être là et qui va avoir envie d'aller passer la haie pour aller voir de l'autre côté. Voilà, le chien qui a envie de chercher, qui a envie de trouver. Même si après il n'a pas le bagage technique pour arrêter, pour avoir un travail propre, ça s'acquiert après avec le temps. Mais déjà, voilà, la passion de la prédation, parce que ça doit être un prédateur malgré tout, la passion d'aller chercher le gibier, d'aller chercher les oiseaux, d'aller voir dans le sale, et l'instinct. Voilà, l'instinct. Le chien qui va vous passer sur le bord de la haie et qui va, vous savez pas pourquoi, il va traverser, il va aller vous serrer un oiseau à 30 mètres. Parce que le chien, il sait que c'est là-bas et que voilà, il faut aller le chercher. Ça, malheureusement, bon, on l'a ou on l'a pas. Mais c'est vrai qu'avec la sélection, on arrive de plus en plus à avoir ces qualités naturelles de trouveur d'oiseaux. C'est ça, un chien de chasse, ça doit trouver un oiseau. Après, la compétition, c'est autre chose, mais un bon chien de chasse pratique, il doit être capable de vous trouver les oiseaux et de les négocier. Après, le reste, c'est de la technique, c'est du dressage. Mon petit bonhomme, il n'y a rien qui t'inspire ? Le braque hongrois, bon, il sent un peu, il se demande un peu ce qu'il fait là. Donc ça va venir, hein. Ça c'est... Voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique, donc c'est lui qui va décider à quel moment ça va commencer à lui monter et à l'intéresser. Mais bon, il voit des oiseaux, il entend des coups de feu, le comportement est à peu près normal, donc on va continuer à travailler dessus. C'est une race qui, de toute façon, comme la majorité des races des pays de l'Est, ouais. On leur demande un travail de chien d'arrêt, mais sur des tests d'aptitude naturelle, on leur demande aussi souvent un travail de chien courant, voire un travail de chien de sang. Donc fatalement, quand on se met à récupérer des sangs comme ça en France, le chien dans sa tête, il a déjà une opposition de style. C'est des races qui sont relativement nouvelles au niveau de l'engouement. Et on n'a pas le capital génétique que peut avoir un setter anglais ou un pointer. Ce qui fait que c'est des chiens qui sont souvent plus longs à mûrir, qui n'ont pas le même capital instinctif et qui est souvent plus long à déclencher. Allez, cache. Allez. Donc ce qu'il faut, c'est prendre son temps. L'essentiel, c'est ça. Vraiment, ne pas vouloir aller trop vite. On a toujours tendance à vouloir aller vite quand on a un chien qui montre des capacités très tôt. Et c'est pas forcément le mieux de lui mettre beaucoup de bagages techniques tout de suite. Il vaut mieux le laisser s'exprimer, le laisser se passionner à la chasse, même si la première année ou la deuxième, c'est pas toujours facile à contrôler. Et on voit voler, on n'a pas souvent l'occasion de tirer. De toute façon, la chasse maintenant, on n'est plus là pour manger, on n'est plus là pour remplir, hein, on est là pour s'amuser avant tout. Donc
prendre du temps, laisser au chien le temps de mûrir et de se construire dans sa tête, et après on arrive toujours à travailler. Mais de la patience et de la douceur, et de toute façon il n'y a que ça qui fonctionne. Chaque race possède des qualités qui lui sont propres, comme l'allure à la quête, la façon de prendre et de travailler l'émanation, et même de prendre l'arrêt. Et ce sont toutes ces différences qui font la fierté de chacun des amateurs de chacune des races. C'est même parfois un sujet de discussion enflammée entre les propriétaires des différentes races de chiens. S'appliquer aujourd'hui à sortir des solos, donc des chiens les uns derrière les autres, pour mettre les chiens dans les meilleures conditions possibles et me mettre moi dans les meilleures conditions de tir possibles. Voilà, parce qu'à deux c'est mieux, mais c'est aussi parfois plus compliqué. Alors je vais alterner, on a des setters irlandais, des setters anglais, plus un pointer, et on va faire par alternance. Donc on va commencer avec un setter anglais, une jeune chienne qui a déjà beaucoup de classements à Bécassine, puisqu'elle est, elle est vainqueur de la goutte d'eau de l'année dernière, donc 2010. Elle a aussi beaucoup de classements en Italie, sur Bécassine. Elle est spécialisée Bécassine, donc on va essayer de voir si ce matin, elle mérite ses titres ou pas. Allez! C'est un des oiseaux les plus difficiles à négocier. Ça demande un pool de qualité énorme à chaque chien. Et si j'ai décidé aujourd'hui de sélectionner des chiens sur cet oiseau-là, c'est parce que pour moi, d'un point de vue génétique et d'un point de vue sélection, c'est celui qui m'amène les meilleurs résultats. C'est bien. J'ai eu la chance de croiser des setters anglais, italiens, donc d'origine italienne. Ça fait de ça 7 ou 8 ans. Et il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu une émotion particulière, je me rappelle très bien, de ce que j'y ai vécu, des chiens qui couraient, de la façon dont ils se déplaçaient sur le terrain et de la façon dont ils ont appréhendé les oiseaux. Et je me suis, ce jour-là, décidé à prendre un setter anglais et aller le chercher en Italie. Et cette chienne-là s'appelle Lazzora, en fait. C'est Lazzora di Valdichenna qui vient d'un élevage plutôt de lignée grande quête, en Italie, chez Scipioni exactement, et c'est une chienne que j'ai achetée à l'âge de 2 mois. Et j'ai eu la chance d'avoir une chienne exceptionnelle. Elle l'a prouvé par ses qualités de chasseuse, elle l'a prouvé sur différents types de gibier, perdreau, bécassine, et elle est aujourd'hui à la base de la sélection que j'ai faite dans mon élevage. Et entre guillemets, en mémoire de tout ça, j'ai choisi un affixe à consonance italienne, et ça mon affixe, donc les chiens qui sont nés chez moi ou qui naissent chez moi sont naissent avec l'affixe ou un préfixe vai nel vento, ce qui veut dire va où le vent te porte. Cool. Cool là-dedans, cool. Bécassine ! Allez ! Bon, voilà l'oiseau que Seneri a arrêté. Voilà la bécassine démarrée. Gallinago, Gallinago, c'est un bel oiseau, hein. Il faut que les chiens soient hyper concentrés, il faut qu'ils soient à 100% tout le temps. La bécassine ne pardonne pas le manque de concentration ou la déconcentration parce que c'est à ce moment-là qu'elle va décider de gicler, de partir, de vous laisser tomber et puis de s'en aller sans que vous ayez rien compris à l'histoire. Alors elle est souvent difficile à mettre en place cette concentration au départ du parcours parce que les chiens sont un petit peu excités, un petit peu dans l'émulation et les 5 premières minutes sont parfois un petit peu difficiles. Elle est plus facile à acquérir ou à mettre en place de la 10e à la 30e minute. Et puis au-delà de 30 minutes, puisque c'est quand même des efforts assez intenses qu'on leur demande, ils perdent un petit peu de vitesse, ils perdent un petit peu de... ils sont un peu en hypoxie, ils gèrent un petit peu moins bien tous leurs efforts. Et de fait, la concentration, elle a tendance à chuter aussi. Donc on recherche ces chiens qui s'échauffent pas trop en début de parcours, qui sont capables de faire 30 minutes de galop dans des conditions qui sont celles du marais, sans se démotiver, sans perdre leur concentration, et être capables de négocier les oiseaux au-delà de cette demi-heure de parcours. Et finalement, ces chiens-là, la sélection commence à être un petit peu difficile, et ces chiens-là sont relativement rares. Il faut en plus de ça, à mon avis, un sens de dichotomie au niveau de l'émanation assez particulier, parce que l'émanation, le marais, c'est plein d'oiseaux, hein. Il y a des cygnes, des canards, il peut y avoir des cailles, on l'a vu, des bécassines, quelques perdreaux, quelques feux, et on leur demande entre guillemets de se spécialiser sur un oiseau difficile et il faut qu'ils soient capables de gérer toutes ces émanations. Cool.
beaucoup là-bas. Regarde, elle est là-bas. Tu vois, elle est au bord de la roselière là-bas. Tu la vois, tu l'as vu décoller? Elle va remonter sur la gauche. Elle était là. Bon, il y en a peut-être une... Tu vois, elle remonte à gauche. Là, cette terre irlandaise est plus âgée, hein. C'est une chienne qui est à 6 ans, c'est Alpha du Branner, donc elle n'est pas issue de mon élevage, à la différence de la cette terre anglaise. Cette terre irlandaise, elle, est issue d'un élevage du sud de la France, et elle a, elle aussi, de bonnes capacités à bécassine. Ils ont cette aptitude à la bécassine, c'est-à-dire qu'ils ont génétiquement été sélectionnés depuis très longtemps sur cet oiseau-là, puisqu'en Irlande, classiquement, les gibiers de prédilection étant bécassine, bécasse et grouse, on retrouve dans leur génétique, dans leur patrimoine génétique, cette aptitude-là. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné sur le setter irlandais. Lorsque la saison de chasse arrive à son terme et que les passionnés de chiens d'arrêt doivent avec regret mettre leurs compagnons au repos forcé, reste une alternative. En effet, certains amateurs et professionnels offrent à leurs chiens une prolongation de la saison avec la pratique des concours de field trial. Ces concours permettent la détection et l'amélioration des chiens d'arrêt par la découverte et la sélection sur le terrain des meilleurs représentants de chaque race. C'est ainsi, en accordant à ces derniers le titre de trialeur, que les juges garantissent un taux de reproduction important à l'éleveur d'un champion. Le titre de trialeur signale à l'attention du public que ce chien-là possède des qualités propres à améliorer le cheptel de cette race-là. C'est l'objectif qui, petit à petit, a un peu dérivé vers de la compétition. En tant que chien d'arrêt, on a séparé relativement tardivement les chiens d'origine britannique des chiens d'origine continentale. Les chiens britanniques, ce sont des chiens qui étaient faits pour quêter très loin, pour quêter la plaine, pour explorer des espaces de grandes étendues, alors que nos chiens continentaux ont été de tout temps le chien du chasseur rural, qui chassait donc pour son propre compte avec un seul chien qui devait tout faire, c'est-à-dire trouver le gibier, arrêter le gibier, rapporter le gibier. La philosophie des Britanniques était différente. Donc la classe, la noblesse britannique faisait que le chien d'arrêt ne servait qu'à trouver et à arrêter les oiseaux. Ils utilisaient pour rapporter dans leur chasse traditionnelle ce qu'on connaît bien encore aujourd'hui, ce sont les retrievers, c'est-à-dire Labrador et toute la famille de ces chiens. Donc le compétiteur, le chien dispose de 15 minutes pour faire sa prestation. On évalue donc l'envie, la passion du chien, c'est-à-dire ce qui fait que le chien est chasseur ou n'est pas chasseur. Ensuite, il y a exigence d'une exploration méthodique, rationnelle du terrain, de façon à ne pas laisser sur le terrain, ne pas oublier un gibier qui serait présent. Alors intervient quelque chose qui est difficile à évaluer et qu'on n'évalue que par son résultat. C'est ce qu'on appelle le nez d'un chien, c'est-à-dire sa capacité olfactive, mais capacité olfactive avec deux niveaux. Il y a la puissance olfactive, c'est-à-dire la capacité d'un chien à percevoir des odeurs. Et puis derrière, il y a l'utilisation intelligente du chien de ce qu'il a perçu. Ensuite, donc, il y a des critères de technique pure, suivant les épreuves. Aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve d'automne, c'est-à-dire on recherche un gibier qui est abattu comme à la chasse. Donc il y a des exigences techniques, il doit être ferme à l'arrêt. Ça veut dire qu'il doit attendre son maître, son conducteur, pour venir auprès de lui de façon à être en capacité de tirer l'oiseau. Ici, en compétition, ça n'est pas le maître qui tire, ce sont donc des officiels désignés par la société organisatrice. Et il ne doit rapporter, retrouver et rapporter l'oiseau qu'à l'ordre. Ordre donné par son maître avec l'autorisation du juge. Ce point de sagesse au coup de feu et de rapport à l'ordre, qui fait que beaucoup de chiens qui ont des qualités indiscutables dans l'action de chasse ne franchissent pas cette barre, donc de la compétition, parce qu'il est très difficile d'obtenir d'eux qu'ils restent donc imperturbables quand l'oiseau va tomber.
Un chasseur ne demande jamais ça à son chien. Au contraire, quand le chien part alors que l'oiseau est blessé, tombe blessé, le chasseur est très content qu'il puisse lui rapporter. Donc sur l'estrade, votre du pied du monde, champion du monde individuel de CACIT en deux jours. Il y a une gamme de récompenses qui va du bon, en passant par le très bon, l'excellent, et la récompense maximum qu'on peut décerner dans une compétition nationale, c'est ce qu'on appelle le CACT, Certificat d'aptitude au concours de travail. Et il existe également la récompense internationale avec CACIT, simplement le I veut dire international. Il existe d'autres épreuves, donc, dont une que l'on appelle le brevet international de chasse pratique, les initiales BICP, qui s'adresse à des chiens cette fois, non pas dans le but d'une sélection, mais uniquement dans le but de l'utilisation. Savoir si le chien qui participe à cette épreuve a vraiment assimilé toutes les phases de son dressage et rend une utilité indiscutable à son conducteur. C'est une épreuve de chasse pratique. Donc, qui combine une épreuve à terre qui ressemble à la vraie chasse et une épreuve à l'eau qui simule ce que l'on peut faire lorsque l'on va chasser le canard, donc que ce soit pour le débusquer ou que ce soit pour le retrouver et le rapporter en eau profonde. Aujourd'hui, la chasse aux chiens d'arrêt est bien basée sur un prélèvement raisonné, effectué par des chasseurs de plus en plus responsables et vivant en totale harmonie pour et avec leurs compagnons de chasse. La chasse aux chiens d'arrêt n'a pas d'égal. Et l'amour de la chasse, l'envie de faire découvrir et de partager ces moments uniques, l'admiration des qualités de chaque chien, nous oblige à ne pas considérer notre compagnon uniquement comme un simple outil. Défendons nos chiens, tous nos chiens, quelle que soit leur race, pour continuer de défendre en définitive la chasse aux chiens d'arrêt. Car c'est cet amour des chiens qui nous permettra de vivre et de partager encore longtemps nos plus belles histoires de chasse.